Il y a de cela un peu plus d'un mois, j'ai fait une vidéo dans laquelle je présentais l'usine de Bertin Tchoufoma Mentor qui est dédiée à la transformation du manioc en farine de manioc. Suite à cette vidéo, un jeune homme, polytechnicien, a décidé de se lancer pour convaincre Bertin de le recruter dans le cadre de son projet parce qu'il pensait qu'il pouvait apporter une plus-value à ce bel édifice. Il se trouve qu'aujourd'hui, un mois et demi après, quand je reviens dans l'usine, il est là et j'ai trouvé son parcours intéressant et je voulais le partager avec vous pour que vous écoutiez comment l'audace paie. Beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués dans votre vie aujourd'hui parce que vous attendez des certitudes de réussite. Mais en réalité, les gens qui réussissent, ce sont des gens qui osent. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment ce jeune homme, à son niveau, a osé et comment il est satisfait aujourd'hui de sa collaboration avec Bertin. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu veux participer à cette belle aventure, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche, on se fera un plaisir de mettre à votre disposition nos véhicules. Je tiens à préciser que la plupart de nos véhicules sont neufs ou ont un an d'âge, en très bon état. Avec ou sans chauffeur, pick-up, SUV, berline, on a parmi les meilleurs véhicules sur le marché. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités à Abidjan, on a ce qu'il vous faut. Dans la barre de description, vous avez un lien pour réserver vos places en fonction des disponibilités. Et puis enfin, ceux d'entre vous qui veulent acheter leur résidence principale, nous construisons de très belles villas duplex à Benjarville que vous pouvez visiter tous les samedis. Contactez-nous au numéro qui s'affiche. Aujourd'hui, je vais vous présenter le parcours d'un jeune homme polytechnicien au Cameroun. Je rappelle que Polytechnique, c'est la meilleure école de formation d'ingénieurs du Cameroun et probablement l'une des meilleures en Afrique centrale. Ce jeune homme a fait cette brillante école et a décidé de venir mettre son savoir et son talent au profit du projet de PAFIC. Je veux qu'il nous en parle du pourquoi, du comment. C'est parti. Chose promise, chose due, je suis avec notre invité du jour. Est-ce que tu peux juste te présenter? Bonsoir, monsieur Philippe. Je suis Rickson Siola. Je suis ingénieur polytechnicien spécialisé en génie mécanique et je suis actuellement à PAFIC. Très bien. Première question, comment tu découvres la chaîne Investir au pays? La chaîne Investir au pays, je la découvre à travers un livre que j'ai lu puisque je suis beaucoup passionné par les questions sur la finance, sur la gestion financière et l'économie. J'ai lu le livre de Ricardo Kanyama. Le titre, c'était « La chef de ma mère ». Donc, quand j'ai lu le livre, il y a des passages où on parlait toujours de Philippe Simo. Et là, je me suis posé la question, qui est vraiment ce Philippe Simo et tout? Et je suis allé faire la recherche sur Google. C'est là que je découvre d'abord le site web Investir au pays. Et puis, je découvre sur YouTube la page. C'est là directement, je m'abonne et je commence à regarder des vidéos très intéressantes d'ailleurs. Et bon, c'est comme ça que j'ai découvert le site. D'accord. Comment tu découvres ce projet? Le projet, je découvre le projet parce que, bon, puisque je suis ingénieur polytechnicien, je suis passionné par le calcul des machines, calcul, dimensionnement, conception des machines, bon, tout ce qui concerne les machines. Et quand je fais mes recherches sur YouTube, dès que je trouve une vidéo sur peut-être un mécanicien africain qui a eu à réaliser une machine qui impacte le monde, je télécharge la vidéo directement. C'est quand j'étais en stage de fin d'études au port de Kribi que je trouve une vidéo sur... le titre, c'était « Magnifique ce qu'on peut réaliser en Inde ». Quand j'ouvre la vidéo, je vois M. Bertin Tchoufo, que je connaissais déjà à travers mes recherches. Je vois ce qu'il expliquait, comment on fabrique ces machines et tout et tout. La première question que je me posais, c'est pourquoi il ne fait pas ça au Cameroun, vu que le Cameroun a aussi des ingénieurs et des techniciens et tout. C'est la question que je me suis posée. J'ai découvert à travers cette vidéo qu'il avait un grand projet au Cameroun, le projet sur le manioc. Et d'abord, pour le projet, j'étais étonné comment quelqu'un fait pour avoir un tel nombre d'hectares de terrain au Cameroun. Je me questionne, c'est là que je comprends. Si une personne comme ça peut avoir ce nombre d'hectares de terrain, c'est que c'est une personne vraiment puissante et vraiment engagée dans son travail. Donc, après ma soutenance du diplôme, il y avait une entreprise qui m'avait appelé. J'ai commencé là-bas. Et un jour, je crois, c'était un vendredi soir, à 21h, ma grande sœur m'écrit.
elle me dit, elle m'envoie d'abord une photo. C'était une photo de vous et de M. Philippe Simon. C'était dans, et de M. Bertin Chauffeau, pardon. C'était dans son usine à Pafik, à Yaoundé, où j'étais en train de déguster un jus, un truc comme ça. Donc, elle me dit, elle va aller visiter demain, samedi, avec le boss, le champ, qu'elle va aller faire la visite du champ. Et elle me dit, si je veux, je peux venir pour voir, puisque on va aussi lui présenter l'usine et tout. Donc, je n'ai pas dormi de la nuit ce jour, parce que j'avais peur de me réveiller. Elle m'a dit, on va quitter à 4 heures. Et c'était vraiment strict ce qu'elle m'a dit. Donc, si je venais déjà à 6 heures, j'allais tout rater. Donc, je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais là juste et j'attendais 4 heures du matin pour sortir. Et avec 3h30, puisque c'est vraiment loin de chez moi, c'est dès 3h30, je prends le taxi, j'arrive au point de rencontre. J'ai encore attendu à l'entrée de l'hôtel. Je me suis même endormi à l'entrée de l'hôtel. Et vers 5h maintenant, la voiture est passée. Et j'étais étonné de voir que j'étais dans la voiture avec celui que je voyais seulement à la télé, dans les vidéos et tout. Donc, ce qui m'a étonné aussi, c'était que c'était quelqu'un de très ouvert, donc qui parlait de sa vie comme ça, sans aucun complexe, qui parlait de son parcours. Et tu passes juste une minute avec lui, tu apprends tellement de choses sur la vie. Donc, quand on fait la visite, je vois les machines devant moi, les machines que je voyais plutôt dans les vidéos. Après, je me pose la question, qu'est-ce que je peux vraiment apporter à l'entreprise ? Je me posais tout le temps la question parce que moi, je suis spécialisé plutôt dans le calcul des machines. Calcul, conception et réalisation des machines. Donc, tout ce qui concerne la simulation des machines et tout. Donc, je me posais cette question. Mais dans le calcul des machines, nous, on fait aussi dans la maintenance. Donc, quand on fournit une machine, on doit aussi fournir une sorte de papier pour expliquer comment la machine fonctionne. Un mode d'emploi, voilà. Donc, j'ai vu que bon, je peux aussi faire dans la maintenance. Après la visite, je laisse mon CV à l'entreprise. Et maintenant, bon, puisque je travaille déjà dans une autre entreprise, je me posais beaucoup de questions, comment je vais faire et tout. Et j'attendais l'appel parce que dès qu'on m'appelait, j'allais arrêter l'autre travail direct, peu importe ce qui se passait, parce que ici, c'était vraiment le rêve. Donc, j'attends l'appel et je ne recevais pas d'appel deux semaines après. J'ai demandé à ma soeur, mais comment depuis on ne m'a pas appelé et tout. J'avais peur parce que j'ai trouvé un projet plus grand que ce qu'ils faisaient. C'était une ancienne entreprise, donc quand tu arrives, les normes sont déjà là et tout, donc tu ne contribues plus vraiment. Donc quand 2 semaines arrivent, je dis, est-ce que je vais juste rester attendre qu'on m'appelle? Je dois faire quelque chose pour montrer qu'on doit m'appeler. C'est là que je réfléchis, puisque je me posais la question, qu'est-ce que je vais apporter à l'entreprise? Je réfléchis et dis, bon, je peux rédiger un rapport de ma visite à l'entreprise, où dans le rapport, j'ai écrit ce que je pouvais apporter à l'entreprise, les limites que j'ai vues, les problèmes que j'ai vus que je pouvais améliorer. Et tout dans le rapport, j'ai noté tout ça. Et j'aime même trop noter, c'est quand j'arrive que je vois, peut-être en lisant le rapport, peut-être ils devaient se dire que je suis un peu arrogant parce que ce que j'ai écrit dans le rapport concernait toute l'entreprise jusqu'au champ. Parce que le jour où j'ai visité le champ, ils se plaignaient de la récolte de soja qui n'avançait pas, le soja qui se gâtait au champ. Et dans le rapport, j'ai carrément parlé du côté qui ne me concernait pas, ça concernait plutôt l'agriculture. Donc c'est après... dès que j'ai fini de rédiger le rapport, j'envoie à ma sœur, puisque je n'avais pas directement son contact. Elle me dit, non, c'est mieux que tu lui envoies plus tôt. Donc, quand je lui envoie directement après, il m'appelle. Il me dit, passe voir la directrice des ressources humaines. C'est comme ça que j'arrive et on me pose les questions. Les chargés du côté technique de l'entreprise me font passer l'entretien et puis directement, j'étais là. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est après que, quand j'arrive, je découvre l'entreprise, je vois que c'est vraiment très structuré. Et je me dis, j'étais gêné que peut-être en lisant mon rapport, il s'est dit, voilà, j'ai recruté quelqu'un d'arrogant, il va croire qu'il peut tout faire pour l'entreprise. J'ai carrément parlé de tous les domaines, que ce soit le secteur de l'agriculture, que ce soit comment on doit faire les récoltes organisées, puisqu'on a fait le management des projets à l'école. Donc, j'ai carrément parlé de tout ça, comment on doit organiser les équipes au champ pour éviter
pour éviter les périodes où on rate la récolte. Peut-être, bon, je me disais que c'était une mauvaise organisation. C'est ça qui m'avait troublé, en fait. Donc, dans le rapport, j'avais parlé aussi d'un logiciel pour la gestion de maintenance. On appelle ça GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur, et que je pouvais faire. Et puisque une usine est en train d'être lancée, c'est mieux de commencer dès le début, directement par le suivi de la maintenance. Quand on rate cette étape, c'est un peu compliqué de se rattraper parce que dès le début, on comprend directement, quand tu participes au montage des machines, tu comprends directement le mécanisme de chaque machine. Et à partir du mécanisme, tu peux anticiper sur les pannes. Et aussi, j'ai proposé un logiciel aussi pour la gestion de la production assistée par ordinateur. C'était pour suivre la production. Par exemple, suivre les stocks dans les magasins, savoir quand est-ce que peut-être la production a diminué, parce qu'on doit, savoir, par exemple, j'ai produit tel sac tel jour et le lendemain, j'ai produit tel nombre de sacs. Donc, pour savoir, avoir une courbe dans le logiciel qui dit la production. Pour les réapprovisionnements à chaque fois. Et aussi, si peut-être un expert ou un consultant voudrait savoir s'il y a un problème un jour, il peut consulter juste une base de données et comprendre où il y a le problème. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à PAFIC. Alors, maintenant que tu es sur le projet, depuis combien de temps déjà tu es là? Qu'est-ce que tu vois ici? Est-ce que ça te plaît toujours? Ça fait un mois que je suis là. Bon, la première chose, la chose qui me plaît, c'est que c'est l'air. Donc, là où... Alors, je dois préciser que vous vivez ici, en fait, sur le projet. Vous vivez, vous dormez, vous mangez ici. Oui, nous vivons ici. Donc, d'abord, l'air est très sain, donc c'est la forêt et tout. Donc. Et aussi, ce qui me plaît, c'est que j'apprends beaucoup. Parce que ce que nous, on faisait à l'école, et c'est ce qu'on reproche toujours aux écoles, c'était purement théorique. Donc, tout ce qu'on faisait, on passait le temps à faire des calculs, tellement d'équations en tête. Mais quand tu es sur le terrain, on te dit, arrête la mule, arrête ça, soude ça. Tu te poses la question, comment on fait? C'est vrai qu'on faisait les ateliers, mais c'était pas vraiment ça. Donc, ici, j'apprends tellement. Montage des machines, comment on fait même pour improviser devant une situation en entreprise. On a une situation, là, on n'a même pas peut-être un équipement pour gérer la situation, mais on improvise, on fabrique peut-être une pièce sur place pour gérer le problème. Et aussi, quand on commence dans un projet comme ça, comme je l'ai dit, au niveau de la maintenance, c'est toujours bien d'avoir les ingénieurs dès le début pour suivre la maintenance. Tu ne regrettes pas d'avoir démissionné? Je ne regrette pas, même pas. Même pas. Très bien. Ben écoute, très content d'avoir fait ta connaissance. Je reviendrai assez souvent ici. Et j'espère bien évidemment que tu vas rester dans l'équipe, que tu vas grandir avec le projet, les projets, parce qu'il y en a plusieurs derrière, et que tout ceci sera une belle réussite. Merci beaucoup pour ton audace, merci. Pour ton courage aussi. Et j'espère que ça inspire le maximum de personnes. Merci beaucoup. Les amis, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que le parcours de Rickson vous parle, de son abnégation, de sa volonté, et que bien évidemment, ceci vous inspire, vous aussi, à passer à l'action. Passer à l'action.